Atayons alimabe Ngenyo sa Akobenga yon solo Ozonga epa ina ye Akobongo la yo Okoma posa Kaye nazali koluka Papa tena yesu Babunga kikala Yalo pango ya tata o kozonga Epayi na ye o kokota Nakati yalo pango Et nous nous mettons debout de Télémy. On va nous lire Luc chapitre 5 verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Petit Mabou, merci. Amen. Mon cœur. Mon Canada. Mon Kakitoko. Ya solo Boca Boca nanga Boca kito Ya solo Bokananga Bokananga Ya sika Bokananga Bokananga Bokende Bokananga Ya sika Bokananga Bokananga Na loti anje bakoya awana se na kokana loni mama le lobeti anje bakoya awana se na kokama tanga mokananga mokananga yasi kamana ni Madombo kanga yasika kanalinge kanalinge atombo kanga yasika kanalinge kanalinge toke enalinge okendelelo naloti anje bakoya awana se kona mukama tatelelo mama nanga anje bakoya awana se kona kukama tanga Kanalingi kokendelelo naloti anje bakoya awana se pona kokamata naloti lelo mama nanga anje bakoya awana se pona kokamata mokananga Kanalingi kokendelelo mokananga
Le thème de ce matin s'intitule Le grossiste et le détaillant. Acclamons très fort pour le Est-ce que vous pouvez m'aider à bien acclamer? Certainement, il y a un autre bougre qui va suivre les dix. Les grossistes dans l'église. Tu vas comprendre que ça se trouve dans l'église. Actuellement, très fort. Amen. Chers frères et sœurs, de quoi nous allons parler ce matin? Comme le thème l'indique, le grossiste et le détaillant. Nous voulons que Dieu fasse de toi un grossiste. Grossiste en tout. On vient de nous lire un texte que nous connaissons tous. Et ce texte nous parle de l'appel de Pierre. Pierre, c'était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il faisait son travail. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, il va rencontrer beaucoup de difficultés dans ce qu'il faisait. C'est ce qui fait que je rappelle que pour ceux qui connaissent l'évolution du monde, ils savent que les pierres ont vécu à l'ère où il n'y avait pas d'industrie. Ils faisaient leur pêche avec les moyens du bord. Et Pierre était habitué à faire la pêche, nourrir sa femme et ses enfants. Et la vie évoluait très bien. J'ouvre une parenthèse. D'après la Bible, Pierre n'avait pas fait de grandes études. Mais il connaissait quand même un travail. C'est pourquoi, si tu veux être grossiste, tu dois avoir un métier que tu connais dans ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens demandent, cherchent le travail au Congo, mais ils n'ont pas de qualification réelle. C'est pour cela que le Congo va mal. Beaucoup de gens en RDC n'ont pas de qualification réelle. Amen.
Et comment on en arrive là? La tricherie est organisée depuis l'école maternelle. C'est ce qui fait que les enfants même n'ont pas la possibilité de bien assimiler la matière. Parce que vous allez trouver qu'avec la crise actuelle, les travaux manuels ont été remplacés par les beignets, les avocats, les boîtes de sardines. Monsieur, il vient, il enseigne. Il dit que demain nous allons étudier les poissons. Alors il demande à chaque enfant d'amener le poisson. Après son cours, les poissons partent chez lui. Alors, même l'enfant sait que ce monsieur, il me doit. C'est pourquoi vous voyez les enfants d'aujourd'hui. Mais quand monsieur veut les fouetter, l'enfant résiste déjà parce qu'il avait pris son poisson. Et ça, ce n'est pas de la faute des enseignants. C'est l'État qui doit rémunérer correctement les enseignants. La qualité a un prix. Vous voulez un enseignement de qualité? Il faut rendre le secteur attrayant. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le Congo. Que tous les professeurs soient bien payés pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi ça, c'est mon point de vue à moi. Au lieu de donner des véhicules à d'autres personnes, c'est mieux d'économiser ces moyens. Payer les enseignants. Que tous ceux qui vont gagner leur coupe m'excusent. Vous avez eu trop de dips. Chaque fois que vous ramenez des coupes, on vous donne des dips. Cette fois-ci, je demande à Dieu qu'on ne vous donne pas de dips. Que cet argent soit affecté à la gratuité. Et vous qui demandez des dips aux autorités, arrêtez avec cette bêtise. L'enseignement, c'est le rhizome d'un État. L'ITT, ce professeur, nous n'allons pas apprendre comment écrire et comment lire. Oh Dieu, bénis tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme le secteur n'est plus attrayant, tous les enseignants de qualité vont se débrouiller ailleurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous cherchez les vrais profs de mathématiques, de physique, de français, vous les retrouvez dans certaines écoles. Pourquoi? Parce que le secteur doit être attrayant pour attirer la qualité. Et lorsque l'enfant est enseigné par quelqu'un qui lui-même a du mal à conjuguer le verbe correctement, donc vous voyez les dégâts. Moi, je me souviens, l'un de mes cousins, il avait un professeur qui mélangeait son français avec les dialectes. Bon, vous savez que ce n'est pas notre langue. Il y a toujours l'intonation là qui nous colle à la peau. Alors, mais lui, il avait quand même exagéré. Il leur donnait les cours de biologie. Et quand il entrait dans la salle, commençait. Aujourd'hui, nous avons étudié Épide. Qu'est-ce que Épide? Vous avez étudié Épide aujourd'hui. Qu'est-ce que Épide? Épide années. Mon cousin ne comprenait rien. Alors mon cousin le regardait comme ça. Mais petit, j'ai dit qu'est-ce que Épide? Épide est Konini. Épide c'est quoi? Donc au lieu de dire qu'est-ce que les lipides,
Qu'est-ce qu'un épine? C'est ce qui fait que les enfants partent à l'école, mais rentrent avec des choses approximatives. Pour être grossiste, il faut être détenteur du savoir. Lorsque vous êtes au Japon, les enfants de l'école primaire fabriquent déjà des calculatrices. Ceux d'ici ne font que jeter des pierres sur les gens. Donc, les enfants japonais fabriquent des calculatrices. Mais ceux d'ici, ils ont tous des pierres. Vous voulez jeter ces pierres sur qui? Pierre, tout en étant détaillant. Mais Pierre connaissait les métiers. Lorsque vous payez au professeur d'université 1 100 dollars, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Vous savez, nous on étudie gratuitement en Afrique. C'est pourquoi notre système éducatif, il n'est pas pointu. Mais lorsque tu es dans des universités américaines, notamment les top 10, les Minerva les moins chers, là, c'est 100 000 dollars. Il y a 100 000 dollars pour nos foot. Et quand le prof t'enseigne, donc il le fait non seulement avec vocation, mais avec passion. Donc, quand tu ne comprends pas, il se met devant toi. Il fait tout pour que tu comprennes. Parce qu'il sait que ce monsieur a payé 100 000. Et de là, dans les 100 000 là, ça paraît là-dedans. Alléluia. Amen, 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 amen. Même quand tu pars à l'école, je sais que à part les écoles catholiques, les restes ici, ce sont des aventures. Mais dans ces aventures-là, il y a des enfants qui se forment. C'est pourquoi quand tu pars à l'école, à part les bulletins et les diplômes, cherche à voir quelque chose dans ta tête. Ma soeur, quel est le travail que tu sais faire dans ta vie? Mon frère, quel est le travail que toi tu sais faire dans ta vie? D'une manière telle que quand tu fais ce travail, tout le monde te regarde et t'acclame. J'étais en train de suivre les informations sur France 24. Je vis que la France a remis au Bénin ses anciennes statues. Mais il fallait avoir là. Donc ces gens-là qui n'ont pas été à l'école, il y a de cela plus d'un siècle. Leurs œuvres d'art ont été retrouvées. Mais il fallait voir là. Mais vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il est dans une académie. Je ne vais pas citer les noms. Je ne lui ai pas demandé de faire un portrait pour moi. Il amène un portrait. Il me dit qu'il m'a dessiné, mais moi-même, quand je regarde le portrait, je ne me reconnais pas. Mais il me demande de lui payer 500 dollars. J'ai dit d'abord, moi je ne t'ai rien demandé. Dédé, c'est que tu es le c'est Mobutu, ce n'est pas moi. Acclamons très fort. Où va le Congo? Mes chers frères et sœurs, si tu veux être grossiste, si tu veux avoir de grandes bénédictions dans ta vie, aie un métier que tu connais. Mais quel est ce juriste? Lui, il n'a aucune référence légale.
Quand il parle, c'est comme une pièce de théâtre. Il ne paye pas. Et puis même les juristes ont leur style. Quand un juriste parle, il doit sentir que non. Ça c'est un juriste. Mais vous trouvez un juriste qui parle, c'est comme un professeur de l'éducation physique. Quand tu es juriste, maîtrise le droit. Quand tu parles, que les gens puissent trouver non seulement de la consistance, mais qu'ils trouvent également de la pertinence. Quel est ce comptable qui ne sait pas faire la différence entre le résultat fiscal provisoire et le résultat fiscal définitif? Le résultat provisoire fiscal définitif. Quand vous lui posez la question, est-ce que vous pouvez me calculer les résultats de cette entreprise? Il regarde comme ça. Il dit Kinzonzi Boutoukidi, c'est le nom d'un prof qui enseigne la comptabilité. Mais moi, je ne t'ai pas demandé le nom du prof. J'ai besoin d'un travail. Mais il y a des diplômés en informatique incapables d'animer un ordinateur. Quand vous lui donnez l'ordinateur, il dit on n'avait pas étudié avec ça. On n'étudie pas les marques. En informatique, on étudie les systèmes d'exploitation. Ce système est le même. Ma sœur, tu veux que Dieu puisse te bénir à la manière des grossistes. Quel est le travail que tu fais? Papa, Moutouazana a alimentation à Tegakabilouakolia. Moutouana a Zoya na Ouezena 10 heures. Se pointe au marché à 10 heures. Yende Moutouazo Tega Miliki. C'est lui qui vend du lait, du sucre. Na 5 heures. Nde Herba, maman, Bazo Luka, moi, Soukali. Moi, Miliki, Bassa et la Bana Tibak et des classes. Pour faire aussi un peu dans l'école. Pendant ce temps-là, elle dort. Est-ce que Moutoua est un commerçant? Est-ce que cette personne est vraiment ce n'est pas tout le monde qui peut faire les commerces. Les écoles les plus chères du monde, ce sont les écoles de commerce. Alléluia. Amen. Ma soeur, Nekomwasi, quel est le travail que tu sais faire dans ta vie? Pourquoi tu ne peux pas apprendre à faire ne plus que des tresses? À part Gotonga, Ozana, Moussala, Moussou, est-ce que tu ne peux pas faire un effort? Mes enfants, vous partez à l'école. Est-ce que vous maîtrisez ce qu'il est enseigné à l'école? Pierre n'a pas été à l'école. Mais il connaissait son travail. C'est ainsi que même en management moderne, il y a deux types de managers. Il y a les managers rationnels, c'est-à-dire celui qui a appris la gestion à l'école. Mais il y a des managers empiriques. Lui n'a pas été à l'école, mais tellement qu'il est resté avec les gens qui connaissent. Il a vu comment il faisait, peut-être sans comprendre, mais il fait comme ces gens-là. Et il a maîtrisé l'art. Bien-aimé, Dieu ne bénit que les talentueux. Et tu dois savoir qu'on ne te trompe pas. Dieu a donné à chacun de nous un talent. C'est toi qui ne sais pas exploiter les talents que Dieu t'a donné. Il n'est pas dit que pour maîtriser le travail, vous devez absolument avoir un doctorat. Comme maintenant, c'est la guerre des diplômes. C'est compliqué. Et ça passe. Et des gens, des choses qui devaient faire notre honte. Ça fait débat chez nous. Bien-aimé. Fais un effort dans ta vie. Apprends un métier. Sois capable d'être un bon mécanicien, un bon menuisier, un bon plombier, un bon électricien. Regardez les électriciens que nous avons ici.
Quand il vient, il vous fait des installations. Il laisse des câbles visibles comme ça. Et quand vous lui dites, est-ce que vous aviez bien travaillé? Il dit, viens, c'est vrai, là, trop rigoureux. Un électricien, quand il fait un travail, il couvre les câbles. Ça devient comme un objet d'ornement. Oui, c'est petit bêta, bêta, c'était. C'est lui qui dit qu'il faut clouer. Mets le clou. Aïe. Est-ce que maman Okoye Koloko ça a dit? Maman, tu ne peux même pas apprendre à faire les beignets. Moi, je vis en Indonésie. Les enfants de 18 ans qui font le pilotage. Ici, les enfants de 18 ans sortent avec les couteaux pour tuer les gens. Déjà à 18 ans, il est déjà assassin à 18 ans. Mais cet homme à 50 ans, il va décimer le monde. Même vous qui me suivez dans les médias, vous cherchez que Dieu vous bénisse. Quel est le travail que vous bénissez? Apprenez ne fût-ce qu'à préparer le foufou. Tu verras la foufou. Prépare du foufou, il n'y a même pas envie de manger. Pourquoi y'a qu'on a ta foufou? Ça il m'a l'air. Tu faire du foufou et tu auras ton restaurant. Elle a son petit restaurant de fortune. La première fois que les clients viennent, tous les clients sont tombés malades. Et 3 jours après, quand ils ne reviennent pas, papa va client, va qui m'engage, va qui m'y opposé de mon salaté. Parce que tu ne connais pas mieux ton travail. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, c'est lui qui avait mis les talents en pied. Il te donne un talent que tu deviennes utile pour toi-même, pour ta maison, pour ta famille. Connais quelque chose. Moi, je ne peux pas comprendre. Nous avons tous les instruments ici. Mais parmi ces jeunes, il n'y a aucun jeune qui peut apprendre à jouer à la guitare. Je m'adresse à toi. Parce que même si tu me regardes de cette façon, je ne vais pas avoir pitié de toi. Apprendre ne fait qu'à jouer à la guitare. Rien. Vous cherchez tous à devenir le pasteur. On vous a dit que moi, on me paye. Donc, wana, parmi vous ici, vous pensez que est-ce que pour jouer à la guitare, c'est vraiment la fin du monde? Est-ce que tu ne peux pas commencer un peu? Même toi, même toi, tu ne peux pas apprendre à jouer à la guitare. On t'a dit que comme tu es juriste, si tu joues à la guitare, tu vas mourir. Les Kinzonzi, c'était des profs, mais ils jouent à la guitare. Acclamons très fort. Quel est ton talent? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Il y a d'autres filles, même nettoyer leurs propres habits. Rien. C'est pourquoi une jeune fille, les calés sont toujours de couleur noire, noire, noire. Non! Même ma zembe, mon colon noir. Mais ma jour, vous tous, ma zembe, là, c'est la blanc, blanc. Il y a d'autres jours, ils portent la couleur blanche. Vous mettez la main, maman, ma casse, pas de pour le pasteur. Si elle étale ses adieux ici, vous allez fuir. C'était blanc, c'est devenu kaki. Et comme la langue à kaki. Et dès que vous passez derrière sa maison, vous trouvez ça. Elle sort agitée. Qui est passé derrière la maison ici? Je vais venir. Mais ça nous prend. Nous habitons la même parcelle. Je peux passer par derrière. Regardez comment le derrière de la maison se trouve. Papa, les gars, qui est papa est passé de ses côtés. À côté de papa est passé jusqu'à ses côtés. Papa, papa, vraiment.
Je suis là. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu cherches à te marier. Est-ce que tu sais comment on prépare? Il amène ça comme la tête d'une personne. Quand il prépare les riz, ce qu'a l'ambi l'os, il y a toujours du sable. Ma belle zalaka na kata l'osso ya l'ambi. Mon belle papa, bon de la mon belle nanga zoele nanda kute. Allez zelo yo so. Le mari ne mange plus à la maison, il va. Mon nanga rivière Makelele. Tu compares ça au rivière Makelele. Bon bête nanga ma bon place on a voté. Acclamé pour le pasteur. Pierre avait du talent. Pétélo a qui n'a talent. Dieu te donne du talent aujourd'hui. Ça m'appelle ce talent à l'élôme. Et regarde. Talent. Même quand tu as déjà terminé les études. Que achète les livres de Maurice Clévis. Tu dois savoir comment rédiger. Quand on ouvre le registre des condoléances, tu vas voir certaines personnes ont oublié même des accents. A commis je suis, et c'est il a écrit je suis, il n'y a pas S à la fin. Toi tu vois, il a les garçons. Les garçons. Il est mon quoi, pas moi, c'est comme la garçon. Il écrit la garçon. Après, à quand il garçon. Il écrit tout court garçon. Comme en Abidjan, parce qu'en Abidjan, il n'y a pas de. Abidjan, il ne respecte pas les articles. L'article est à la caté. Ma sœur. Nekomasi. Est-ce que tu ne peux pas faire un effort pour devenir un réverbère pour les autres? Un réverbère, c'est-à-dire la lumière. Donc, quand tu parles, même ceux qui ne t'aiment pas, ils contestent à ta présence. Mais après, ils disent non. Il a dit des choses. Quel est le travail que tu sais faire? Quelqu'un qui travaille au ministère des Finances. Budget à l'État ou déposé dans le Parlement et ça n'a pas déposé au Parlement. Ce continue. Papa, direction de la direction. Il dit non, non, ce n'est pas notre direction. Est-ce qu'il y a un problème? Les Kamoumou que ça a moutou naïe. Ne t'éparpille pas. Concentre-toi sur ce que tu connais. C'est par ça que Dieu te bénit. Là. Moi, je sais à l'époque de Mobutu. Nabina et les Mobutu. Une autorité dont je préfère taire le nom. Il avait un domestique. Azaki na boy na ye. Mais il faisait très bien son travail. Boy, wana azaki kosala musala malamu. Il préparait bien. Azaki kolamba malamu. Il savait dresser les lits. Aime kobongisa mbetu. Mais un jour, les enfants qu'il avait élevés, bana oya il avait longé pendant qu'ils étaient bébés. Ses enfants obtinrent leur diplôme d'État. Ils devaient poursuivre leurs études en Belgique. Mais quand on a demandé aux enfants de partir, les enfants ont dit à leur père, à l'époque l'Europe c'était comme le ciel. Les enfants ont dit à leur père, il dit nous irons étudier en Belgique, mais à la seule condition que ces domestiques partent avec vous. Oh, domestique, ma belle, ah ouais, la capitale va coller à Namouana, Batini allait sa bébé. Le domestique allait à ton bébé, nana, bébé, t'as un cocole. Le bébé là, dès qu'il va grandir, tu verras ce qu'il va te faire.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Quel est le travail que tu sais faire? Il y a quelque chose que je n'aime pas dans ma vie. Je crois que j'ai cherché quelqu'un qui était venu me voir. Il me dit, papa, tu peux me trouver. Je lui ai posé la question. Quel est le travail que tu sais faire? Il me dit, tout travail. C'est-à-dire que mon toit a recouvert même avion. Piloter un avion. Parce qu'il dit, Misala Nyos, il connaît tout travail. Je l'ai chassé. Pourquoi je l'ai fait? Aujourd'hui, pourquoi notre pays n'avance pas? Tout se fait selon les liens de sang et de sentiments. Les enfants qui devaient être au bureau sont en train de changer de l'argent sur les riz. Les incompétents dans les bureaux. Il faut qu'on revienne au système de concours dans ce pays. Les vrais concours. Ça ne se fait pas qu'en Europe. J'étais chez Museveni en Ouganda. Pour devenir DG chez Museveni, il fait venir des cabinets d'audit de l'Angleterre. On organise les concours. Le premier, il devient chef. Mais ici, ce sont ceux qui trichent à l'université qui occupent des grands postes. Oh Seigneur Jésus-Christ, dégrade ces gens. Il dit où le pays. Je te demande ce matin, ma sœur. C'est vrai que Dieu va te bénir. Mais connais quand même un travail. Et ça n'a pas maman Moussoussa. Au côté Zando. Tu le mets au grand marché là-bas. Et papa, moi, il y a Zando, moi, il soleil, moi, je ne saurais pas vendre. C'est quoi le logo de New York? Quel est le travail que toi, tu sais faire? Et ça, la maman, moi, qu'on a ici. Il y a une maman à l'église ici. Tellement, dans mon acte, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit, elle avait trop de problèmes. Je me suis décidé, je l'ai fait entrer au grand marché. Je l'ai acheté une table. Je lui ai donné un capital. Je lui ai dit, commence avec ça. Je lui ai dit, il ne faut pas consommer tout l'argent. C'était une façon de les stimuler à mieux faire les travaux. Mais elle n'a même pas commencé à vendre. Elle a acheté les habits de toutes les couleurs que moi. Non. Je vois après culte la maman. Qui vient, mon papa, c'est toi vraiment l'initiateur. Je l'ai regardé. Sa patria, la chaussure neuve, mes sacs neufs. L'épargne. Même l'étiquette, il n'a même pas enlevé. Je lui ai dit, ok, merci. Demain, elle a encore changé les choses. Toute la semaine, elle faisait que changer des habits. Après trois mois. Trois mois après. Mais il y a quand même tout ça l'inventaire. Il y a qu'on fasse un fait. Il y a fait l'inventaire. Il y a des endroits là-bas. Les grands marchés. Il y a trop de sorciers là-bas. Ils m'ont bouffé l'argent. Donc vous voyez. Omoni. Vous voyez comment. Même le commerce. Mombongo. C'est une technique. Ça s'apprend dans de grandes écoles. Il y a qu'on a été éloigné. Pour faire des pour affaires, la mombo, malamo, il faut avoir les MBA. Zala penza na diplôme à l'école. Donc l'ambassadeur, le business of representation. Ce sont ces gens-là qui ressuscitent les entreprises. Regarde ma soeur, qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie? Mes enfants, vous qui êtes là-bas, qu'est-ce que vous connaissez? Pierre Petelo. Il n'était pas parti à l'école. Mais il avait un métier. Je vous demande d'aller tous à l'école. Mais pour tous ceux qui ne peuvent plus retourner, apprends un métier. Ça va t'aider à vivre. Et Dieu n'est béni que celui qui travaille. Pierre était pêcheur professionnel. C'était un pêcheur professionnel. Et un jour, comme d'habitude, il était parti à la pêche. Il avait ses associés. Jacques et Jean, ses associés.
Ils sont allés ces jours-là. Malgré leur professionnalisme, ils ont péché. Il n'y avait rien. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Il n'y avait pas de poisson. C'est pourquoi je voulais te dire, ne pense pas qu'il y a un travail facile dans ce monde. Il n'y a aucun travail facile. Dans chaque métier, il y a des obstacles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le travail que tu fais n'a pas payé que tu dois abandonner. Si tu as fait des pertes mais n'arrête pas le commerce, c'est ça la beauté des affaires. Dans les affaires il y a des moments où on peut perdre, mais il y a aussi des moments où on peut gagner. Ce que te donne comme conseil, quand tu fais les affaires, plus le capital monte, enlève déjà quelque chose, achète une maison. Parce que les autres sont comme ça. Vous me regardez comme ça. Vous savez, pour apprendre ces choses, on paye au moins 35 000 euros. Ça, c'est en Europe. En Amérique, c'est 100 000 dollars. Donc, j'ai dit ceci. Quand tu vois que tu fais les affaires, tu avais commencé avec 500 dollars. Du coup, tu te retrouves avec 50 000 dollars. Ne faut pas dire que non, pour que j'aie encore davantage. Prends 10 000 dollars. Va même vers Tiangou là-bas. Trouve de l'espace. Achète ce... ça fait partie de ton patrimoine. Il n'y a pas quelque chose qui donne de la valeur comme les biens immobiliers. Un terrain qui t'y achète aujourd'hui à 1 000 dollars, tu peux le vendre à 100 000 dollars 5 ans après. Quand tu te bats encore, tu montes à 100 000. Comme tu es bandal, tu vas encore, même vers la prison là. C'est toujours bandal. Et je t'informe que la fondation Godé arrive même là-bas en train de nettoyer. Quand tu vas entrer là-bas, ils viendront nettoyer même devant ta maison. Il y a d'autres personnes. Il avait déjà eu même 1 million de dollars. Il n'a pas de maison. C'est toujours maintenant je fais 20 conteneurs. Mais tu fais les 20 conteneurs. Investis aussi. La Bible dit ceci. Investis dans plusieurs projets. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. La plupart des hommes d'affaires sont tombés avec la crise du Covid. Il partit pêcher. Ce jour-là, il n'obtint rien. Je voulais préciser quelque chose. La pêche miraculeuse s'est effectuée dans la Bible à deux reprises. Il y a la pêche de Luc 5 dont nous parlons. Mais il y a également la pêche de Jean 21. Ce sont deux pêches différentes. La première pêche, là, Pierre était encore païen. Mais, dans la deuxième pêche de Jean 21, Pierre était déjà devenu pasteur. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le bonheur t'accueille dès le départ. Et il sera avec toi jusqu'à la fin. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que tu aies le bonheur à partir de jusqu'à la fin de tes jours, que tu puisses aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Mais Pierre a fourni tous les efforts.
Il n'avait rien pendant toute la nuit. Mais ce que j'aime, c'est Pierre. C'est que ses échecs ne lui avaient pas interdit de servir Dieu. Il y a des moments où l'intelligence humaine et la force physique deviennent incapables de vous procurer du bonheur. À ce moment-là, il faut recourir à la dimension métaphysique. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons l'avantage d'avoir un Dieu créateur du visible et de l'invisible. Je sais que tel que je parle, là, rien ne marche dans tes entreprises. Rien ne marche dans tes études. Mais Jésus-Christ, il est vivant. Il n'est pas mort. Partout où il passe, il fait du gros. Partout où il passe, il fait des gens des grossistes. Acclamons très fort pour le roi des rois. Mon Dieu fera de toi un grossiste. Tu ne seras pas seulement grossiste en matière d'affaires. Tu seras grossiste en matière d'habillement. Grossiste en véhicule. Grossiste en maison. Grossiste en diplôme. Grossiste en puissance. Donc Dieu n'est pas un Dieu de détaillant. Alors Dieu va regarder. Pierre, il dit dans son cœur, il lui dit, mais tu es intelligent, mais il y a des choses que tu ne contrôles pas. Il y a beaucoup de gens très intelligents ici qui n'avancent pas dans ce qu'ils font. Ces gens-là, j'ai un message pour eux aujourd'hui. Il y a un homme, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il est capable de te prendre de la fumée et de te faire asseoir avec les grands. Il va le faire pour toi aujourd'hui. Tu n'avais que 10 000 dollars comme capital. Aujourd'hui, tu auras des millions. Croyez à ce que j'ai dit. Vous aurez des millions. C'est un Dieu de grossistes. Aujourd'hui, tu vas quitter le statut de détaillant. Tu seras grossiste. Mais pour y parvenir, il y a un prix à payer. Le premier élément, tu dois connaître un travail. On ne dit pas qu'avec Jésus, le travail que tu connais, peut-être même un travail banal. Alléluia. Amen. Ça peut être un travail banal. Mais ce travail-là, grâce à Dieu, il fera de toi un grossiste. Si tu es le coiffeur du chef de l'État, tu crois que tel que le président est parti là, le coiffeur est resté? Il ne peut pas rester. Il doit être là pour raser la tête du chef. Et quand tu pars comme ça, ce sont des frais de mission. Je voudrais que Dieu visite ton travail maintenant. Dieu n'a pas cherché tout le monde au temple. Il y a des gens qu'il est allé prendre dans leur bureau. C'est le cas de Pierre. C'est pourquoi partout où tu travailles, parle de Jésus avec assurance. Finis cette histoire de dire que les enfants de Dieu doivent être seulement des mendiants. Fini. Nous avons un autre évangile. Notre évangile à nous, les chrétiens doivent dominer. Il faut que les chrétiens dominent. Laisse que tous les postes stratégiques de ce pays sont occupés par les enfants de Dieu. Comme ça, les francs-maçons viendront chercher des avantages auprès des enfants de Dieu. Celui qui avait rencontré Pierre, c'est celui que je te presse maintenant. Tu vas le voir au marché. Tu étais un petit détaillant. Tu auras des dépôts et des dépôts.
Tu faisais une association pour un conteneur. Mon Dieu fera de toi l'importatrice de navires entiers. Il faut bien répondre parce que ce que j'ai dit va arriver. Ce sont des choses que l'œil ne sait pas voir, que la tête ne sait pas comprendre, parce que ça dépend de la dimension métaphysique de Jésus. Il faut que dans cette église, que nos enfants deviennent des chefs au Fonds monétaire international. Si vous ne répondez pas, je vais vous faire sortir. Donc je disais ceci: il faut que les enfants de cette église soient des chefs à la Banque mondiale, au Fonds monétaire. Comme ça, quand nous amenons nos dossiers, quand nous arrivons là-bas, nous commençons par leur bilan. C'est ça être grossiste. Pourquoi toi, le travail, Moussala, c'est toujours laisser les Indiens, salaire $70, Lifuta, qui travaille pendant 15 heures. Osali penza, ngongazo minamitano. Non, te. Ça doit changer. Comme tu connais le travail, que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais pour en arriver là, pour en venir aux grandes bénédictions, le prix à payer, c'est la barque. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Jésus vient. Il trouve Pierre fatigué, en train de nettoyer ce filet. Au lieu d'aller même dans la barque de quelqu'un d'autre, un inconnu, il vient, il demande la barque de Pierre. Et non seulement il demande la barque de Pierre, il lui dit: éloigne-toi un peu de la terre. Quand Pierre fait tout ça, il n'a pas mangé la nuit, il n'a pas dormi, il n'a plus de force. Mais Jésus, au lieu de commencer par lui donner des poissons, il fait travailler quelqu'un qui est affamé. Il y a un grand secret à ce qui concerne la prospérité financière. Tu ne peux pas devenir grossiste quand tu n'as pas fait de sacrifices. C'est ce qui tue les chrétiens. J'ai béni mes frères les Branhamis. Et ils ont compris ces choses. C'est pourquoi leurs affaires sont toujours prospères. Les chrétiens ne payent jamais leurs dîmes. C'est-à-dire que il y a un prix à payer si tu veux devenir grossiste, si tu veux devenir multimillionnaire. Il y a le prix à payer. Il faut donner à Dieu. Depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours été débiteurs de Dieu. Les dieux travaillent quand ils ont des offrandes. C'est à ce moment-là qu'ils sont stimulés. Regardez même les gens là qui font la magie consort. Il faut des sacrifices pour être puissant. Mais nous n'allons pas sacrifier comme eux. Dans ta vie, apprends à donner à Dieu. Ça va te permettre d'être béni dans la vie. Les Congolais n'aiment pas ça. Même payer les impôts, ils n'aiment pas. Ça fait 10 ans. Je suis allé prêcher dans une église dans la commune de Kinshasa. Je ne faisais même pas encore la politique. J'ai demandé seulement aux fidèles de payer les impôts. La femme du pasteur qui m'avait invité, il dit: elle demande aide à son mari. Tout le monde, papa Godé. Demande pas à papa Godé. À quoi tu peux perdre? Il est maintenant. Il a alors, quand je lui demandais pourquoi, il dit: mais comment pasteur, à quoi il y a mis ça? Comment le pasteur peut demander aux gens de payer l'impôt? Jésus a foutu pas. Jésus lui-même a payé l'impôt. Jésus a foutu pas. Jésus a payé l'impôt.
Le chrétien doit aussi payer l'impôt. Si tu ne payes pas l'impôt, tu n'iras pas au ciel. À cet endroit, vous n'allez pas être. Mais moi, je vous dis des choses vraies. Si nous voulons avoir des routes comme en Europe, il faut payer. C'est le péché qui va retenir la plupart des gens. C'est pourquoi au ciel. Dans la Bible, il y a la parabole de la paille et de la poutre. C'est bien de crier. C'est les athées. Il n'y a pas de paye l'impôt. Payes-tu l'impôt? Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je parle de ce que vous devez donner à Dieu pour devenir grossiste. En train de vous parler du royaume. Quand je quitte ici, je vais prêcher à Boumbou. Je vous dis qu'on ne vous trompe pas. Pour avoir des grandes bénédictions dans le Seigneur, il faut donner à Dieu. Il faut être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. C'est ce qui fera de vous des grossistes. Pierre a d'abord donné la barque. Le Seigneur s'est servi de sa barque pour prêcher. C'est après que les miracles. Alléluia. Amen. Tu veux avoir les miracles financiers. Tu veux avoir une grande élévation. Sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Moi-même, je suis l'exemple par rapport à vous. Le peu que je gagne depuis mon jeune âge, je partage ça avec vous. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Je prends cette église en charge seule. Je le fais pourquoi? Parce que je cherche la bénédiction. Je sais que tu dis que Dieu va me faire. Tu verras ce que Dieu va faire à ma faveur. Vous allez voir ce que Dieu va faire à ma faveur. Je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. C'est depuis. C'est monsieur, c'est le loi comme papa. Quand on a commencé cette église, j'ai sorti mon argent. Ils sont allés à couper les bois. J'ai donné l'argent. J'ai fait tout. J'ai acheté les instruments. J'ai fait. Mais Dieu me payera un jour. Si tu veux entrer dans la cour des grands, sur le plan professionnel, sur le plan financier, si tu veux être surpris agréablement par Dieu, apprends à donner. Tu vois comment il y a peu d'acclamations. Je vais insister seulement. Moi, je ne vais pas accepter d'avoir des enfants pauvres. J'ai tout fait, j'ai prié pour vous. J'ai gêné. Mais Dieu me dit, tant qu'ils ne donneront pas, ils n'auront rien. Cherchez ma vie. C'est lui qui connaît l'histoire. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas un frère, c'est mon ami d'enfance. Il est témoin de ce que j'ai dit. Il a failli me faire rater la bénédiction pendant notre jeunesse. Moi, j'ai commencé à acheter des véhicules, je vivais encore chez nous. Je n'ai plus de dates. J'avais une Mazda 818. Alors, cette Mazda-là, Mazda wana, on sortait avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne pries pas? Il n'y a pas d'explication ici. J'avais une Mazda 818. Là, on était encore des enfants. Moi, j'achetais des combis. Je vivais encore chez nous avec la culotte. Donc, on venait, on me trouvait en train de jouer. Parce que le pain que j'ai gagné, moi d'abord, l'église, les restes.
Lui, il a failli me faire rater la bénédiction. Ma voiture était dans un très mauvais état. Je n'ai pas encore les années en tête. Mais quelqu'un me devait $700. À l'époque, les $700, c'était comme les 70. Parce que les maisons de Bandal ici coûtaient $6,000. Alors, Wana, avec lui en ville, on me paye l'argent. Je ne sais gagne. Même pas pourquoi je l'avais dit. Il me dit moto. La voiture ici est devenue vraiment très sale. Il y a 200 débossages couleurs, 200 garnitures. Mais la couleur et la garniture. Tous ont un mouvement. Et puis nous allons retourner. J'ai voulu Il y a une voix qui me dit non, ça c'est la voix du diable. Nous sommes allés avec lui. Sur commerce. Na commerce wana. J'ai posé la question dans cette boutique là. Quel est le synthé qui coûte le plus cher? On me donne le prix. Mais moi je n'avais que 700. Mais il fallait $800 à l'époque. D'abord, moi je ne sais pas comment on discute. Je vais expliquer à ces gens-là. Ils viennent. J'ai dit on part. Quand nous sortions, la femme l'a prié chez maman. Mais dit papa, pendant que tu sortais, une voix me dit que cet argent, ce n'est pas l'argent de l'église. C'est ton argent qui veut acheter. Alors, vous prenez le sainté à ce prix-là. On achète les saintés, mais le véhicule dans un mauvais. On est venu, il était fâché. C'était mon argent après tout. C'était mon argent. Je suis arrivé. Nous sommes venus avec le sur Chilong. Nous, ce n'est pas comme vous. Quand vous donnez $10, $10. On avait dit $10. Non, on ne fait pas ça. Non. Nous sommes venus avec lui, nous avons appelé un enfant. Prends ses saintes. Va déposer ça à l'église. Tant que moi, je suis au coin, regardez bien cet enfant-là. Tant que ne parte pas avec les saintes. Dès que l'enfant est entré à l'église, je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église, j'ai fait semblant. Papa, tu évites mon tout, mon quoi, il y a un enfant qui a amené les saintes. Il s'est fâché terriblement. Pour naïe, car naïe, et Nabiso est à la bien, tout ça fera la bon étant la voiture. Frère, Ndeko, ce jour-là, j'ai eu. Mokoloana, j'ai moniseli. Il y a un, j'ai vu un homme, il me dit c'est moi Dieu que tu pries. Comme tu as fait ça, je vais te faire voyager gratuitement. Regardez le pays où tu iras. On m'a présenté la Belgique. On m'a présenté les quartiers de Mons. On m'a donné même le nom de la ville. L'avenue Paul Manson. Je n'ai jamais oublié. Je suis allé me faire hâter les bénédictions. On m'a donné dans une vision. On m'a donné même le nom de l'avenir là où je suis parti. Pendant ce temps, il y a des gens qui avaient l'argent à l'église. Ils cachaient. Mais un jour, je vous ai parlé des détails. C'est la première bourse que j'ai obtenue sur le plan international. Alors, quand on m'accorde cette bourse, je ne voulais pas, j'avais trop de choses à faire, je ne voulais pas voyager. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, je vis l'ambassade me cherche. Je ne voulais pas partir. Mais j'avais un ami, il me dit, mais on te cherche, va ne fût-ce qu'écouter. J'arrive à l'ambassade, je trouve les gens. À l'époque, les gens faisaient la queue vers les galeries présidentielles pour avoir les visas. Moi, j'arrive, je donne seulement le nom à la porte. Je vois les gardes mobilisés. Directement, on m'installe sur une chaise. Les gens qui étaient dans la queue commencent à me critiquer. Ils sont là, on est venu ici.
Lui est venu après nous. On m'a appelé, je ne suis pas venu de moi-même. On va t'appeler aussi. Et directement, je vois une Belge qui descend. Et monsieur, c'est toi, monsieur Poïkadima. Tu es l'invité du gouvernement français. Et bien, Belge. Bon, je dis, mais moi, je suis responsable. Comment? Il dit, monsieur, qu'on m'a dit que tu es attendu à Bruxelles demain à 7h. Bourse, tout, gratuit, offélé. Gratuit. Pour ceux qui connaissent là où se trouve l'université catholique Campus de Mons, c'est au niveau du chaussée de Bench. La chaussée de Bench se croise avec l'avenue Paul Mons. Alors je viens, j'explique à la maison, on me demande de partir. Les gens de la maison me disent, mais ils ont besoin de l'Ougara, ils ont besoin de l'Ougara. Comment tu peux refuser? On va aller t'accompagner à l'aéroport. Mon vieux Jacques Ilunga, il m'a accompagné, il m'a dit, je vais t'accompagner à l'aéroport. Nous sommes arrivés là-bas. Je vous épargne des détails. Mais là où j'avais vu que Dieu reste Dieu, nous sommes arrivés à 7h, des cérémonies, des fêtes. Nous sommes arrivés à l'université vers 17h. Le lendemain, quand je me réveille, je quitte la chaussée de Bench. Je vois l'avenue Paul Manson avec les maisons que Dieu m'avait montrées. C'est pour te dire, ma sœur, mon frère, si tu ouvres tes mains, Dieu fera de toi un grossiste. Vous voyez même les gens là qui parlent de mon accoutrement. Qu'est-ce qu'ils en savent? Souffrez que j'en parle aujourd'hui. On discute les affaires des habits avec quelqu'un qui ne t'habille pas. Mais ce sont des choses spirituelles. Moi, j'ai donné à tout le monde. Un jour, on avait un frère à l'église. À l'époque, la Chine n'était pas encore un état émergent. Donc, il n'y avait pas de pirates. Et la maman, on m'avait acheté un smoking de 1 500 $. Nous sommes en 1900 quelques. Je suis venu à l'église. On a prêché sur l'amour. Et je pris le smoking. Smoking, j'ai donné à ce frère. Na pesine komo bali wana. Et j'insiste qu'à l'époque, les maisons de Bandal coûtaient 6 000 $. De la même manière, na lolenge moko, j'ai vu mon homme là m'apparaître. Na moni mutuana bimelinga lisusu. Mon homme là me dit, dans les années à venir, na bambule zoya, tu vas inspirer les gens dans ce pays en matière d'accoutrement. Aujourd'hui, les professeurs, les ministres, cherchent à s'habiller comme Godet. Ce ne sont pas des choses qui viennent comme ça. On a investi dans ça. Si tu entres dans mon dressing, tu trouveras que tu as affaire à un grossiste. Tu vas trouver le carton de 200 pantalons que personne n'a jamais montré. Coup, n'a jamais porté. Carton à 200 pantalons, balati, je n'en parle pas de manière ostentatoire. Mais je voulais vous faire voir. Si vous voulez que Dieu vous visite, apprenez à donner. Frère bien-aimé, le miracle s'était accompli au début de la foi de Pierre. Mais le même miracle va se reproduire dans Jean 21. Là, c'est après la résurrection de Jésus. C'est pour dire que celui qui fait les miracles, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Si tu lui donnes ta barque, il s'occupera de toi. Après la mort du Seigneur Jésus, ça devient intéressant. J'ai besoin de votre attention. Après la mort de Jésus, les disciples déçus,
par la disparition de Jésus, est en train de causer. Pierre va leur dire, moi je veux pécher, je ne vois pas pourquoi je vais encore suivre Jésus. Ils partirent tous faire la pêche, mais celui qui avait appelé Pierre ne l'a pas laissé disparaître dans la foi. La Bible dit, celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Je voulais te dire que ta foi ne te quittera jamais. Jésus te suivra même dans des temps difficiles. Il te suivra pour te remonter le moral. Pendant que Pierre plairait son maître, ils étaient en train de pêcher. Ils ont vu un matin, acclamant très fort pour le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ apparaît toujours le matin, parce que la Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Les miracles, les premiers miracles, c'était un matin. Les derniers miracles, c'était un matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec Jésus, c'est un nouveau jour qui commence. Tel que je suis en train de parler maintenant, un nouveau jour commence dans ta vie. Qui était détaillant, qui sera grossiste pour la gloire du Seigneur. Je te dis, que le monde le veuille ou pas, un nouveau jour commence avec toi aujourd'hui. Qui était malade, le jour de ta guérison vient de commencer maintenant. Dites amen, je veux enseigner. Dites amen, je veux enseigner. Dites amen, je veux expliquer. Dites amen, je veux exploser. Dites amen, je veux vous bénir. Dites amen, Nassan ou la diable. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il apparaît ce matin-là, pendant que Pierre cherchait le poisson dans la mer. Lui-même, il était venu avec son poisson. Acclamons très fort pour le roi des rois. Avant que ton travail te donne du poisson, le Seigneur Jésus-Christ t'a amené un poisson. Et le poisson de Jésus, il est déjà braisé. Oh, Jésus, il est là-bas. Jésus s'est réellement préparé. Acclamons très fort. Tout ce que j'ai dit là, vous irez lire à la maison. Pendant qu'ils étaient en train de pêcher, Jésus vint avec des braises et un poisson. Je voulais dire ceci. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. N'abandonne pas la foi. Le Seigneur a préparé pour toi un bon mariage. Il a préparé pour toi un bon travail. Il a préparé pour toi des belles maisons. Il a préparé pour toi des bons voyages. Il a préparé pour toi des grâces. Laissez-moi parler de braise. Acclamons très fort pour le roi Dieu. Demandez à tous les cuisiniers, il n'y a pas un repas qui est si qu'il a comme un repas braisé. Le repas braisé n'a pas trop de sauce pour vous amener du cholestérol. Le repas braisé, il est bon pour le corps. Acclamons très fort pour le roi des rois. Vous irez lire à la maison. Lorsque Dieu a appelé Esaïe, nous sommes dans Esaïe 6, verset 6. Avant que Esaïe ne puisse partir parler, Dieu va prendre une braise. Il va brûler la langue d'Esaïe. Il lui a dit que maintenant, comme j'ai brûlé ta langue, tu peux partir. Et vous n'avez pas toujours compris. Qu'est-ce que cela veut dire? La braise, c'est la parole de Dieu. Si tu es toi le poisson, si tu veux être un poisson de bon goût, assis ta vie sur les braises, sur la parole de Dieu, vous n'avez pas compris. Romains 12, verset 20, il dit ceci: quand quelqu'un te fait du mal, toi fais-lui du bien. Ce sont des braises que vous mettez sur la tête, c'est-à-dire c'est la parole que vous mettez sur sa tête. Je voulais vous dire que ce matin, j'ai allumé des braises dans cette église. J'ai allumé des braises dans cette église.
Ces braises que j'ai allumées, on appelle ici. Ce n'est pas pour donner du goût au poisson. Les braises que j'ai amenées, c'est pour te donner du goût à ta vie. Je voulais dire à quelqu'un que la parole de Dieu donnera un goût, donnera du sens à ta vie qui était habitué à pleurer. Mais grâce aux braises, grâce aux braises, et si quelqu'un est là, je prends cette braise là. Je ne veux pas seulement brûler vos langues. Je brûle vos corps. Maintenant vous allez dire, comme la femme de Katik de Katik, moi je n'étais pas comme ça, mais c'est le soleil me disait que ce sont les braises qui m'ont transformé. Quand la parole entre toi, ta vie aura un sens. Ton travail aura un sens. Laisse que de la même manière que les braises avaient bien grillé les poissons, que la parole d'aujourd'hui donne du goût à ta vie. Ton mariage était devenu problématique, mais avec cette parole il va se passer quelque chose. De la même manière qu'il a amené les braises lors du deuxième miracle, c'est de la même manière qu'il avait amené la parole lors du premier miracle. Pierre lui avait même dit, sur ta parole je partirai. Je voulais dire à cette église, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous deviendrez un grossiste. Grossiste. Mariage, tout ça, on a bateau, le colon fleuve. Le mariage sera le président basé à l'invité, n'a pas premier ministre. Président des premiers ministres qui seront invités. C'est ça que je voudrais dire. Les grossistes et les détaillants. La parole du Seigneur, c'est faire de vous des véritables grossistes. Devenez des grossistes à l'école par les grands diplômes de qualité. Devenez des grossistes au marché. Qu'on parle de vous à jamais. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste de vous dire ces choses. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse les enfants. Qu'il bénisse ceux qu'on veut nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse. Na katia lopango